n'a pas encore missionné son train. Il n'a pas encore quoi? Missionné son train. Ah. Ah, j'ai hâte. J'ai vu qu'Otto Beauclerc de l'extérieur, mais j'aimerais l'avoir de l'intérieur maintenant. Bah voilà, alors moi ce que je te propose, c'est qu'on aille jusqu'au bout. Ouais, là je vais d'abord aller jusqu'à Rony. On va visiter Bois-Perrier. Ouais. Et au retour, on s'arrêtera à Otto Beauclerc. Alors, je vais après refaire une vidéo jusqu'à ici. Oui. Après, je vais revenir à Otto Beauclerc. Là, je ferai un spot. Oui. Et après, je vais voir si je fais des timelapse ou pas. Ah oui, d'accord. Ah là, j'ai ma mission de youtubeur qui m'appelle. Oui. Là, c'est la CC03. Tiens, girouette Rony Bois-Perrier, CC03. Ah oui, bah, tu vois ce que... Ils n'ont pas encore changé de sens. Si Serge Gainsbourg est bien desservie. Oui, oui. Parce qu'il y a eu une rumeur qui disait qu'elle pourrait être ouverte juste après. Ouais, mais... C'était une question de travaux en retard, je crois quoi. Qui a gueulé? Il va absolument avoir son métier. T'inquiète pas, il aura son prochain. Mais oui. C'est pas comme si c'était le MP59 qui partait ce soir. Bah voilà, c'est ça. Bah là, ça y est, ils sont partis à la retraite. C'est ça. En tout cas, on en aura bien profité. Ah oui. Et puis au moins, je suis resté sur une bonne note. Ah, parce que rappelle-toi de l'échec de samedi. Oh putain, ça n'allait pas rester sur cet échec-là. Ah ouais, non. Leur haut-parleur de... Oui, ils les ont achetés chez Wish. Ou chez AliExpress. Voilà, c'est le truc qui dit ça. Il dit AliExpress? Non, non, il dit Wish. Ah. Il y était tout à l'heure, mais il va peut-être revenir. Mmh. Mmh. Et quel Mathieu? Ah, putain, oui, non. Le Mathieu des... chargé. Oui. Et puis le 24 juin, là ce sera la première étape du Grand Paris Express. Oui. Je préfère légèrement ce bip bip au vibreur des autres rames. Ok.
je crois que j'ai compris la limite, en fait, c'est parce qu'on sort de Paris, c'est ça? La limite du plan, c'est-à-dire qu'on sort de Paris. Non, mais non, parce que Lila, déjà, porte de Lila. Ah, côté de Lila, oui. Là, elle est, il y a un train qui traverse la station, ça veut dire que... Ouais. Mais dis donc, j'ai l'impression que c'est la piste qui ouvre le Grand Paris Express, là. Il n'y avait pas un projet qui était aussi de la prolonger à Noisy-Champs? Oui, mais oui, c'est toujours le train, il faut ça. Ah oui, l'oseille. Accessoirement. L'oseille. Je ne sais pas quel horizon c'est. Jérémy, c'est un grand fan de Serge Gainsbourg. Ouais. Et donc il a été très content qu'il y ait une station à son nom. Mais il y a eu une polémique, qui voulait qu'on la renomme en Jane Birkin. Moi j'aimerais bien qu'il y ait une station qui s'appelle Charles Aznavour. Là. Tu sais pourquoi? C'est un de mes chanteurs préférés. La seule qui n'est pas en full MP14, c'est la 4. Et il y a une rumeur qui dit qu'il pourrait y avoir quelques MP14 sur la ligne. Ouais, mais ce sera vers 2027. Bah oui, mais du coup, normalement, la production est arrêtée. C'est quand le contrat? Jusqu'à quand? Là, concernant la ligne 14. Ah oui, quand même. Et moi qui croyais qu'il allait y avoir quelques MP59 qui irait jusqu'à Rouen. Ah oui, mais en fait non. Pardon? Ben, je te jure que hier, il y avait bien un MP14 qui est arrivé à 70 à la mairie de Lille. Hein. Apparemment, lui est le seul. Non, c'est réglementaire. Ah, 40 km/h, c'est réglementaire. Ah, d'accord.
Non, parce qu'une fois avec Maxence, on a été en cabine et le conducteur il est rentré à 70. Hein. Ouais. Et il a fait un freinage nickel. Oui, il n'a jamais progressé. Non, il est rentré à 70, il a ensuite freiné à fond. Ouais. Et ça nous a même pas fait tomber, mais comme ça, juste à la limite de la station. Alors que je lui avais raconté que il y en avait un qui était rentré avec un jet 67 sur la 10 à 50 km/h. Ah, il avait dit que c'était mort. Parce qu'il ne se retrouve pas avec une de nos voitures. Ça, c'est grâce à la garantie. Ah! Cette charmante voix est gâchée par cette sonore dégueulasse. Ouais. 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 Par contre, j'ai vu fin 2021, j'avais été sur la 7bis et je suis allé sur la 11, ils avaient déjà mis Rony sous bois. Ils étaient très en avance. Là, là, je me suis dit, mais dis donc, ils sont impatients. Bah non. Enfin, pourquoi ils étaient comme ça? Ça aurait fait promener les touristes. Hein. Je préfère cette version bout du T14 que celle du son de la 4 ou de la 14. C'est peut-être loin de la 4. Non mais je veux dire c'est le pneu. Je pense que ça rajoute une petite mélodie. Et les démarrages. Et pourtant 89 c'est l'inverse. Il me semble. Oui. La plus haute station de Paris. Même plus haute que les stations aériennes. Absolument. Je suis passé, je crois, avec le bus 26 près de Télégraphe et je comprends mieux, en fait, on est très très haut. Oui, on est sur la colline. Vas-y. Et je crois que la station la plus profonde, c'est Arès. Sur le réseau historique. Oui, pas sur le réseau. Oh non, le réseau historique. 30 mètres. Et parce que maintenant c'est laquelle la plus profonde? Ah, BFM. C'est comme ça. Par rapport à la France. Et après ça sera une autre. Je crois qu'il y en aura une de la 15. Ça sera IGR ou pas? Non. La 14 sera à 48. Dans Bellina. On se rapproche. Porte Bellina. Je veux juste voir ce que ça fait, le fait d'être dans la 14, mais aérien. C'est vrai que c'est une parce que j'ai l'habitude de me prendre en souterrain. Mais aérien. Enfin. Dis donc, il ne pourrait pas se calmer sur le freinage. Je disais que le T59 c'était le train de la ligne, mais alors là. Alors là quoi? Là on est dans quoi? On est dans Tonnerre de Zeus. Ah, Tonnerre de Zeus du parc Astérix. En parlant de parc Astérix, c'est vrai, moi il est retourné, moi. Oh là là, ça fait un paquet d'années que je suis là. Moi, ça fait 10 ans que je suis pas allé. Et j'ai pas eu la chance de faire Tonnerre de Zeus parce que j'étais trop petit. J'avais 8 ans à l'époque. Ah oui, c'est vrai. Et aujourd'hui, j'ai l'âge de faire des tractions avec des attractions. Des attractions avec des loupines. J'ai déjà fait ça au début. Au début, j'ai eu peur de ressortir avec un bal de mer et tout un tas, mais en fait, pas du tout. Simplement, il faut pas manger. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le bateau, je me rappelle. Là, c'est pareil. Moi, j'y arrive. J'avais un gamin de support populaire que j'avais amené à la porte de côté. Ah!
Il y en a, ils ont un estomac plus sensible. Plus sensible hein. Mais par contre, quand je suis ressorti, je sentais plus mes jambes. Mmh. Je tenais debout, mais je sentais plus mes jambes. Et voilà, il n'y a plus les gilets verts. Et il n'y a plus le gilet de la terminus. Non, c'est vrai. Allez. Oh, let's go! Let's go. Ok. J'ai hâte. Là, il a une pointe, je parle. Sur 10. Quoi ? Non, c'est bien éclairé. Il faut pas ce LED blanc fou. Moi, oh, que j'aime pas du tout. Oh ! Qu'on retrouve à la défense surtout. Non, le pire dans l'erreur, c'est quand on sort de la station, on est oublié par la lumière. C'est au France Palace. Mais moi aussi, ça m'intéresse. Oh, regarde. Il y a François. Il y a François là-bas. Hein? François, il est là-bas. Ah oui. Non, attends, il est ici, lui. Pas mal celle-là aussi. Par contre, il est stylé l'IAV. Ah oui. Pardon ? J'ai rien dit. Vous avez renoncé au parc. Ah ! Je reviens.
Ah, le paname n'est pas activé. Le paname n'est pas activé. On tire express. Oui. Salut, police. Achten Sie darauf, dass Sie nichts vergessen haben. J'adore la voix allemande.